can't say that I love this place where I live, this particular geographic location, but I've grown used to it. And now I miss it when I'm away. Of course, when I was a kid, my father would take me with him down to the Bowery where the bums were. And in the restaurant supply stores, he would buy shiny steel refrigerators and deadly looks. Flingue-moi. Tire, bordel. T'enlèveras pas le contrat que t'as sur la gueule. Ta gueule! Avec des clients, on se fait un petit poker. Ça vous dit? Finalement, je crois que je vais passer. Je ne veux pas vous brusquer, mais là, vous êtes en stage de recherche d'emploi. Et je ne vois pas sur vos visages le petit signe minimum requis dans votre situation. Moi, je me souviens du caniche de ma tante. Il foutait des poils jusque dans son lit. Oh, même des fois jusque dans son bain. Nous accueillons maintenant l'auteur du guide du gros bon sens 2010. Puisque mis à part quelques truismes ou autres itérations, il s'agit bien d'une quête. Quoi ? Il s'agit du commissaire Marensart. J'aimerais savoir dans quel contexte vous vous êtes rencontrés. Mon bonhomme s'appelle Tarkan Terzi, 19 ans. Ah ! Oh, mais j'ai mal à mon doigt, mais il est fou ! Mais j'ai mal à mon doigt ! Mais vous êtes taré ou quoi ? On m'avait fait mal à l'autre doigt ! Mais on s'en fout de ton doigt, j'en prends pour 20 ans ! Allez feuilleter une encyclopédie et arrêtez de m'emmerder avec vos accusations ridicules. Et si vous remettez un pied sur mon terrain, j'appelle les flics. Remarquez, ça serait une faveur. Ça vous permettrait de vous instruire un tout petit peu en prison. Quel est votre sentiment exact sur la vision américaine de l'être essentiel ? Je reproduis, et plus coincé, il déclarait qu'à lui que si la différence ne s'exprime. Monsieur Tavares, qu'est-ce que vous voulez ? Faire de l'argent ou mettre des politiciens dans votre poche ? Le Canada, c'est pas le Liberia. On va faire comme vous dites. Ah ! Ok, tu regardes. Tu arrives, tu attrapes la pomme. C'est comme si tu avais pas de bras, mais que tu voulais attraper la pétasse, là. Ou que tu as pas de jambes, Roberto. Mais que tu veux courir dans le jardin, tu es un acteur ou tu n'es pas un acteur. Ok, Roberto, tu sors, Roberto. C'est fini, Roberto. Allez, suivant. Pour tout vous dire, je préférais ne jamais avoir mis un pied ici. Oui, je comprends. Y a-t-il une porte qui mène au jardin? Bien sûr. Qui s'occupe de cet enfant? Il est tout seul ici. Il n'y a personne avec lui. Je vous remercie, madame. Vous avez un problème auditif ou quoi? Dans votre livre, vous racontez que souvent votre mère vous demande de sortir dans la journée. Et vous dites cette phrase qui est incroyable. Vous dites qu'il y a toujours une vieille pour ricaner derrière ses rideaux. Putain, il est bien là. Un jour, vous vous cachez et vous regardez à travers la fenêtre de la caravane. Vous voyez votre mère sous un homme. Et vous dites qu'elle a un sourire halluciné, les jambes écartées, et que désormais vous serez inapte à l'amour. Il n'y a pas un acteur qui est comme ça. Trouve-le-moi ! Je le veux ! Voilà.